Bonjour à tous, bienvenue dans le quart d'heure neuro, le quart d'heure dédié à répondre aux problématiques de terrain. Donc aujourd'hui, on a une question. Vous avez vu l'introduction quand même, il faut pas que c'était moi et c'était pas Adrien. Alors, la question qu'on a eue sur les réseaux, c'était comment réduire les douleurs liées au sport lors d'une hyperlaxité articulaire, notamment lors de sauts, cordes à sauter et aux chevilles. Yes. À vous la parole. Zebra Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Vous me prenez de court un peu. Bah déjà la douleur, qu'est-ce que c'est la douleur? Ça, c'est, je pense, important parce que là, il y a une question entre hyperlaxité et douleur. Pour moi, ce n'est pas très clair. Et du coup, il faut déjà définir qu'est-ce que c'est la douleur. Et la douleur, c'est juste une information. Donc, c'est un mauvais, entre guillemets, traitement de l'information, pour faire simple. Tu as les nocicepteurs qui envoient des informations au niveau du cerveau. C'est traité dans le cerveau et interprété comme une douleur ou pas. Et du coup, est-ce qu'on peut mettre vraiment un lien entre hyperlaxité et douleur? Je ne sais pas. Voilà. Ouais, mais déjà, c'est un bon, une bonne chose parce que les gens ils disent, ouais, j'ai mal parce que je suis hyperlaxe, tu vois. C'est comme le mec qui dit, j'ai mal quand je fais ci parce que ça. Mais en fait, non, pas toujours. Et en fait, comme tu l'as dit, on a déjà fait un podcast sur ça, justement, pour expliquer un petit peu la douleur. Et en fait, c'est pas parce que tu es hyperlaxe que tu vas forcément avoir mal quand tu vas faire de la corde à sauter ou des sauts ou de la course à pied, finalement. Donc, ça, c'est, je pense, la première grosse chose à bien comprendre. Et deuxième point, qu'est-ce que l'hyperlaxité? Vas-y, Adri, vu que tu as pris la Ah, je sais pas, non, mais main. comme tu sais, c'est un peu notre bible du sport, Romain. Je pensais qu'il avait un truc Ah. sous la main là, direct à nous dire. Bah, c'est quand les articulations partent plus loin que ce qu'on voudrait, on va dire. Hyperlaxité, comment vous pouvez le voir plus simplement? C'est par exemple le coude qui va partir en récurvatum. Souvent chez les femmes, etc. Ben, au lieu d'avoir un bras quand tu le tends qui est tout droit, il vient se tordre à l'inverse, on va dire. Là, on parle d'hyperlaxité articulaire au niveau du coude. Et tu peux avoir la même chose au niveau des genoux avec et c'est même un gros sujet en posturo. Voilà. Yes. Bon, en fait, y a ce qu'on remarque souvent hein, dans les gens, et c'est marrant parce que là, je viens de passer en bilan une personne là, juste avant le quart d'heure neuro qui plaignait justement d'hyperlaxité articulaire et que c'était la cause de beaucoup de ses soucis. Peut-être, peut-être pas en fait. Moi, ce que je remarquais surtout, c'est qu'il y avait un gros manque de tonus musculaire. Et la tonicité musculaire, c'est quand même un des cinq facteurs. Musculaire quoi donc tu vois si déjà ça manque de tonus c'est déjà compliqué donc peut-être remettre le tonus musculaire en l'état. On sait qu'il y a des réflexes archaïques qui agissent là-dessus, notamment le réflexe de Moreau et d'autres hein. Et il faut recréer de la tonicité musculaire, la tonicité posturale, on l'appelle comme on veut, pour recréer du contrôle moteur. Voilà, pouvoir utiliser en fait une ces muscles sur toute l'amplitude articulaire et pas les laisser partir sans qu'il y ait aucun contrôle. Et peut-être que éventuellement ça peut causer des douleurs, mais on n'est pas sûr en fait. Et justement, pour poursuivre un petit peu là-dessus, bon, Romain l'a déjà un peu dit qu'il y a, les femmes sont un peu plus prédisposées, on va dire, à cette hyperlaxité par rapport aux hommes. Mais il y a quand même un principe de base, à mon sens, en entraînement, c'est qu'il faut faire le maximum avec ce qui est disponible. C'est-à-dire que la personne a une hyperlaxité, qu'est-ce qui t'empêche justement de faire tout le travail et tout le travail de reprogrammation neuropostale qu'on met en place, dans le sens où elle a une hyperlaxité, qu'elle soit, on va dire, génétique ou acquise par rapport à ces immaturités, on va dire sensorielles, mais à un moment donné, tu ne vas pas dire, bah, écoute, tu peux pas faire ça, 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 ça. Finalement, tu ne fais plus rien. Juste parce que tu as cette hyperlaxité et que tu as cette croyance que parce que tu as cette hyperlaxité, tu vas avoir des douleurs et dès que tu fais la moindre chose. Donc, dans ce cas-là, la personne ne fera plus rien du tout, quoi. Ouais. Et puis si il y a cette hyperlaxité justement que ce système sensoriel n'est pas présent, de toute façon on sait qu'il est peu vraiment parfaitement développé chez peu de monde le système sensoriel, ben peut-être que l'hyperlaxité est aussi présente parce qu'il y a un problème, une problématique derrière vestibulaire, une problématique proprioceptive. La personne ne sait pas où s'arrêter parce qu'elle n'a pas conscience de son corps à un moment T, quoi. Donc déjà commencer par retraiter la base. On en revient souvent même en fait, hein. On retraite la base pour régler les problématiques qu'il y a. Moi, ce que je vois en fait, je viens juste d'y penser un instant, la question c'était quand même comment réduire les douleurs dues à une hyperlaxité. Donc on disait que la douleur n'est pas du tout corrélée, on va dire, cette hyperlaxité, et on disait par rapport au tonus musculaire. Mais en fait,
il y a quand même le tonus musculaire, il est quand même inconscient et c'est géré par le tronc cérébral qui lui-même a une partie qui est en charge de réduire les douleurs. Donc en fait, plus que gérer douleur, hyperlaxité, on va juste voir au niveau du tronc cérébral, puisque tout simplement il s'occupe de diminuer les douleurs et il s'occupe de réguler le tonus musculaire entre les fléchisseurs et les extenseurs. Donc en fait, il y aura peut-être juste un problème au niveau neurologique à ce niveau-là. Ouais. Au niveau tronc cérébral. Ouais, c'est ça. Mais en fait, c'est la question, est-ce qu'on peut vraiment mettre un lien entre douleur et hyperlaxité? Bah, peut-être que oui. Hein. Je connais pas le sujet, mais ça me paraît bizarre de mettre l'un d'un côté de l'autre, de prime abord. Yes. Bon, je pense que de toute façon, on a un peu déveillé la question. Bah, à mon sens, de toute façon, de ce que j'ai pu observer chez les sportifs, j'ai pu rencontrer dans ma vie ou chez les personnes que j'ai pu rencontrer qui avaient des problèmes d'hyperlaxité, souvent il y avait des troubles au niveau proprioceptif, il y avait un manque de couleur musculaire. Donc, en retravaillant là-dessus, en essayant de faire regagner du gain, voir si les douleurs s'estompent. Là, peut-être qu'on pourra faire des corrélations ou pas, parce qu'en fait, on aura remis en place des mécanismes qui manquaient. Hein. Donc, Et peut-être que les personnes qui sont hyperlaxes sont plus sujettes à des entorses. Ouais. Et peut-être que les douleurs, en fait, c'est des entorses à répétition. Enfin, je ne sais pas. Mais voilà. Rien ne nous empêche de travailler sur le... Et encore une fois, bon, ça revient à tout... on radote, hein, mais en gros, c'est ça. La douleur, c'est un output. Donc, à un moment donné, regarde tout ce qui se passe avant. C'est tout. Mmh. Bon, on est tout bon ? On est pas mal. Parfait. Bah, écoutez, bah, j'ai commencé, j'ai introduit, je finis. Donc, merci à tous. N'hésitez pas, encore une fois, le mercredi, il y a le quart d'heure neuro en pratique avec des exercices où on vous propose de cette théorie de ce qu'on a parlé un petit peu aujourd'hui. Et puis voilà, on se retrouve lundi prochain pour le prochain quart d'heure neuro. Ciao, ciao. Salut. Salut.